Les gars n'ont pas filmé la team presse, nada. Les gars n'ont pas filmé la team presse. La caméra était braquée sur deux personnes. Salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler deux points vraiment très essentiels en ce qui concerne cette conférence de presse. Notamment, nous allons rester sur quelques propos évoqués par André Onana durant cette conférence de presse. Il y a également cette vidéo qui circule derrière moi. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont prêté attention, mais qu'à cela ne tienne, il était important de le relever dans cette vidéo, étant donné que là, nous savons déjà le parti pris de telle ou telle personne. Avant de poursuivre la vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes là d'abord pour représenter le 237. Et pas la grosse surprise, pour moi, c'était, je dirais, une grosse surprise dans ce sens où certaines personnes ont la mémoire courte. Ils avancent certaines paroles sans s'en rendre compte que par le passé, ils ont dû à faire des gaffes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de relever le passé sombre du président de l'Afrikafoot. Là, aujourd'hui, Henri Onana, en pleine conférence de presse, dit ceci, qu'ils sont en train de suivre une hiérarchie et que leur patron, c'est le coach. Je vais faire mon analyse personnelle et vous allez faire les vôtres dans l'espace commentaire. Il dit ceci, Mabrice est son patron. Mais avant que Mabrice ne vienne, avant que Mabrice ne vienne, il y avait son prédécesseur qui était qui? Rigobert Song. Et tout le monde se rappelle ici, lors de l'interview à Canal Plus, lorsque son capitaine courage, Aboubakar Vincent, avait évoqué en disant ceci, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Là, il avait conseillé à Angue Onana de se calmer. Il ne s'est pas calmé parce que c'est Rigobert Song. Aujourd'hui, il se place à Mondovision pour carrément dire que Mabrice, la brocante, est son patron. S'il faudrait que nous restions dans ce fait, qu'il soit son patron, qui était Rigobert Song pour toi, étant donné qu'il t'avait donné des consignes pour pouvoir mettre en place et tu n'as pas pu le respecter. D'après les informations que nous avons à notre disposition, et que d'ailleurs tout le monde le sait, vous avez écouté le capitaine Courage Aboubakar Vincent, que d'ailleurs lui-même, moi particulièrement, je suis vraiment déçu. S'il y avait vraiment des personnes à prendre des responsabilités au sein de cette tanière, c'est Aboubakar Vincent pour la même raison que quoi? Il est, entre guillemets, le seul là à avoir joué avec le président de l'Afrikafoot, Samir Eto'o, lorsqu'il était dans ses débuts. Et aujourd'hui, il n'a plus rien à nous prouver. Pourquoi est-ce que je le dis? Il est déjà en fin de carrière. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit montrer le droit chemin à ses enfants qui sont derrière, à ses binationaux qui ne connaissent pas la mentalité du 237, qui ne connaissent pas la mentalité du Mboa, qui ne connaissent pas comment est-ce que se passe, ce qui se déroule vraiment dans la tanière. Je sais que parmi eux, ils veulent vraiment s'opposer sur certaines choses, mais ils ne peuvent pas tant que ces leaders, ces anciens, eux, ne parlent pas, notamment qui? Zambo Anguissa, Angry Onana, Aboubakar Vincent, Koudé Malo, Martin Onla, et peut-être Faye Kolis. Et peut-être Faye Kolis. Parce que tous ces gars-là ne seront plus là. Et c'est Angry Onana, peut-être le dernier réserviste, étant donné qu'il a pratiquement 28 ans, il a peut-être encore 6 années, ou peut-être plus ou 7 ans, à servir le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Il devrait prendre le devant sur certaines responsabilités. Aboubakar Vincent avait tout à gagner dans cette histoire. Il avait tout à gagner dans cette histoire, étant donné que là, présentement, son temps de jeu, doit être réduit. Il est en méforme et je ne sais pas quand est-ce qu'il prendra encore de la forme. Il pouvait sortir en héros dans cette histoire en tapant le poing sur la table, en prenant leurs responsabilités, en disant ceci, que ce que vous faites n'est pas normal. Et quand André Onana se place en conférence de presse, il me dit qu'il suit une hiérarchie. D'abord, ton entraîneur n'a pas suivi la logique des choses. Ton entraîneur n'a pas suivi la logique des choses. Qui devait être quoi? Son président, son patron, c'est le président de la FECAFOOT et non le ministre des Sports. Et non le ministre des Sports. Aujourd'hui,
Le ministre des Sports réagit entre guillemets sur les hautes inscriptions. C'est vrai que je n'ai pas qualité, mais en voyant cela, auquel le ministre, le premier ministre des Sports vient s'interposer, ça cache beaucoup de choses. Lorsque nous écoutons cela, nous avons l'impression que les hautes inscriptions n'existent pas. Parce que X a tenu tel propos, Y a tenu tel propos. Au final, qui respecte ces instructions? Je ne suis vraiment pas mieux placé par rapport à cela, mais les faits nous montrent que chacun ne joue pas pleinement son rôle. Chacun ne joue pas pleinement son rôle. Et je suis vraiment déçu qu'il se place et dit qu'il suit la hiérarchie des choses. Quelle hiérarchie des choses? Il aime toujours parler au sous-entendu que ce n'est pas le moment approprié pour dire X ou Y. Il y aura jamais un moment approprié pour dire X ou Y. La différence entre vous et le président de l'Africa Foot est que quand lui a quelque chose à te dire, il te dit cela cache. Il ne parle pas derrière. Il ne parle pas derrière les caméras ou bien derrière quelqu'un. Il te dit cela cache. Ça, c'est la différence entre lui et vous. Parce que vous avez également le talent. On ne va vraiment pas l'enlever. Mais la différence est que quand il a quelque chose à dire au moment opportun, il le fait savoir. Depuis qu'il y a ces palabres et autres, vous ne vous êtes jamais prononcé. Jamais prononcé. Ou alors vous entendez que vous serez en fin de carrière, ou alors vous entendez que vous ne serez plus sur les terrains. Avant de nous balancer les histoires, on ne sait pas. Alors que c'est le moment opportun pour quelqu'un qui assume ses responsabilités. Ce passage en conférence de presse, vraiment, c'est un toto. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la peau qui fait problème, ou alors je ne sais pas. Parce que si ce n'est pas la peau, comment est-ce que tu zappes les autorités de Rigobertson? Étant donné que par le passé, il a mis sur pied une tactique qui ne voudrait pas que tu utilises ton style de jeu, que ça ne va pas avec ses plans. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis cela en place? Si tu l'avais respecté comme ainsi, je ne pense pas que tu serais injecté du Qatar, ce qui est sur personne n'est d'ailleurs injecté, c'est toi-même qui as pris cette propre décision. Aujourd'hui, c'est toi qui as une fois de plus décidé de revenir. Et via le biais de certains acteurs que d'ailleurs je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, parce que nous n'avons pas cette qualité de parler. Mais c'est vraiment désolant de ta part de réagir ainsi. Et également, moi particulièrement, les Christopher Wu, les Brian Boumo, je ne vais pas les jeter la pièce, ce sont des nouveaux, ils ne connaissent pas comment le bois fonctionne. Mais vous là, sont des gens qui doivent être affouettés, dont les gens qu'on doit prendre le bâton sur vous là, c'est vous quatre là. C'est vrai que Koundé Malong, ils viennent tous d'entrer dans le game, entrer dans le game dans ce sens où je ne saurais comment le dire. Bref, il y a trois principaux acteurs là-bas qui devaient dire un mot par rapport à cette situation-là. Il y a André Onana, il y a Aboubakar Vincent, il y a Zambo Anguissa. Voilà les gars auxquels si on doit fouetter là, c'est vous trois là, parce que vous avez vos responsabilités à jouer dans cette histoire-ci. Vous avez vos responsabilités. Bref, les gars, c'était mon coup de gueule à André Onana par rapport à cette sortie en ce qui concerne vraiment la hiérarchie des choses. Rien n'est bien, rien n'est dans son ordre à l'heure actuelle, rien n'est dans son état d'esprit. Parce que tout est biaisé. Tout le monde parle à n'importe à qui. Chacun saute l'entraîneur qui parle mal au président de la FECAFOOT disant que ce n'est pas son patron, que son patron, c'est le ministre des Sports. Toi, tu viens dire que ton patron, c'est le coach. Alors que nous savons comment est-ce que la procédure qui envoie tel mot dans les différents clubs pour que vous puissiez jouer en sélection. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très long. C'était mon avis par rapport à cette sortie, parce que les gars n'ont vraiment rien dit n'ont rien dit par rapport à cette conférence de presse. Et petit game entre parenthèses également, j'avais oublié CIA TV, CIA TV, CIAIN n'ont pas montré la team presse. Les gars n'ont pas filmé la team presse, nada. Les gars n'ont pas filmé la team presse. La caméra était braquée sur deux personnes, le coach et André Onana. Les gars n'ont pas montré le team presse. En tout cas, il n'y a pas de problème par rapport à cela. La FECAFOOT va nous partager les images. Nous, on va regarder notre team presse. C'est quel genre de jalousie, ça, les gars? C'est quel genre de jalousie, ça?
Ça rend une fois de plus que chacun a pris son camp. Et ce qui est sûr, vous allez diffuser le match là samedi. Samedi, vous allez diffuser ça. Si vous ne voyez pas, nous on va voir ça sur ce canal. Si vous ne diffusez pas le match là, nous on va voir ça sur ce canal. Nous allons voir ça sur d'autres chaînes streaming. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Même avec les téléphones, il y aura les gars qui vont être dans les stades. Ils vont nous montrer ce match. Quand vous avez décidé de boycotter notre team presse là, il n'y a pas de problème. On sait qui a parlé. Même si on n'a pas vu son visage, on s'en fout même d'ailleurs de ça. On s'en fout d'ailleurs de ce que vous avez fait là. Ce n'est que des détails pour nous. Bref, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. S'il vous plaît, les gars, levez la restriction qui se trouve sur la page YouTube. Elle est vraiment menacée. Levez cette restriction. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!